Sami chap explike la, sa se kad yo mette kadavlan pou yo kapab rentre li nan fou. Mise gen environ 10 à 15 ans depuis que la boule est cadavre. Dans un moule, il est capable de mouler tout le reste qui était là, pour capable de mettre en tant que son femme, pour capable de remettre les femmes. Monsieur dit, moule n'est pas ce monde qui vivent. Je dis à la, nous sommes capables de remarquer que ça sont vidéos complètement différentes de ça que nous habitué à faire. Parce que moi, j'ai une dans même vidéo, ça est un peu rare. Un peu le monde saisit à poser question. Comment corps artiste là, parce que ton équité un peu compliqué qui était wow. Donc comment artiste là tout ça là mettait seulement dans une petite boîte une comme ça, comment on est arrivé faire un processus comme ça? Restez, regardez toute vidéo, nous pas l'expliquer de A à Z comment un processus comme ça fait. Et bon, nous arrivons devant rentrer crématorium. Donc pour nous arriver à faire ça, nous avons eu un collaborateur. Il y a un opérateur qui travaille dans l'area, ça nous met nous en l'école en Haïti et qui va expliquer nous tout le processus ça. Buenos días, amigo. ¿Cómo estás usted, buenos días? Bien, bien. ¿Cuál es su nombre? Edison Cartuche. Edison Cal? Cartuche. Cartuche. Edison Cartuche, c'est lui-même qui va expliquer nous tout le processus, comment on fait ça. C'est lui-même qui est habitué et bouler tout cadavre que yo joine. On est pas rentrer dans l'area à côté de faire incinération cadavre. Et vous n'avez pas besoin de peur, pas de mauvaise image. Nous parlons de tout le bagage, comment on fonctionne, comment fou on fonctionne, et comment moulin qui crase les eaux fonctionne. Tout le bagage sans manquer aucun détail. Nous parlons de monsieur en pile question tout. Si toutefois, il y a une question ou nous pas fait, vous êtes capable d'écrire en bas commentaire. Et puis si toutefois, nous connaissons réponse, nous avons pas. Si nous ne connaissons pas réponse tout, nous avons écrit monsieur, nous avons demandé monsieur. Après ça, nous avons fait nos réponses dans les commentaires. Ok, ça nous regarde là, ça c'est fou, il a utilisé pour brûler cadavre. Donc, son fou qui a une partie électronique là-dedans, ou cap, pour favor, soubale. C'est quoi ça, yo ouvri fou, hein? Bahal un poquito, et c'est comme ça, yo fermé porte là. Donc, ça, son fou, et je dis, un petit fou, il n'y a pas été un gros fou. Et puis, ça, c'est carbone ou bien cadre, yo utilisé pour mettre cadavre en coucher, pour yo capable de rentrer. Bueno, vaya a explicarme comment se funciona Erono, por favor. Donc, monsieur, vous expliquez comment va fonctionner. Aquí se controla lo que es la temperatura, lo que es el tiempo de la cremación, y así también aquí nos refleja lo que es las alarmas, si que hay algún mal proceso, alguna mala función del equipo, o de pronto el cuerpo está generando alguna de las alarmas. Entonces aquí enseguida nos suenan las alarmas y aquí se puede manejar lo que es la temperatura de la chimenea y la temperatura del horno, que son dos temperaturas. Ok, Sami ya pensé explicar la control, ça si control la de la ni pas seulement fait pour contrôler la temperatura, li a la fois tout contrôler. Si toutefois gen un problème, li déclenche yon alarme. Et puis à l'âme ça, là, il y a une révision là pour regarder qui ça qui pas bien contrôlé, qui a mal marché. Et monsieur, il y a deux types de températures que vous utilisez. Pourquoi d'autres types de températures? Parce que la une température est debajo de los quemadores et l'autre température est la que bota la chimenea. La chimenea es, se maneja, se regula la temperatura. Porque Sami sabe expliquer tiene... qui chimenea, excusez-moi. Ça l'a expliqué qui chimenea. C'est ça me saute montrer nous côté pour vapeur ou bien la fumée en sortie. Ok? Là, il y a deux types de températures. Il y a une température et fou. Yo contrôler et yo température pour en l'air dans zone côté pour la fumée en sortie. C'est deux types de température yo font. Degré de température yo utilisé pour yo brûler un cadavre, c'est 800 degrés. Quand y a là et monsieur va l'expliquer nous qui gens yo fait pour yo retirer et disons cendrillon là au fin brûler cadavre là. Comme on me dit c'est les restes se recogen con este cepillo. Ya. Yeah. Si nous sommes capables de remarquer là, elle dit tout ça est retiré en dedans, il vient tomber là. Donc, dans ça. Et puis, il a fait sortir et petit bras ça a ramassé tout ça dans là. Donc, il y a ce. Es una de las compuertas para poder chequear el proceso y ir mirando cómo va el proceso de cremación, donde vemos partes del cuerpo que sí, realmente de lo que entran de una posición se encuentran en otra posición.
pero eso es por la temperatura, la calor. Eso es lo que hace que el cuerpo se vaya. Si se la fait là, faut yo revisar la fenêtre ça, parce que l'air ça descend net. C'est seulement dans cette fenêtre-là, vous checkez, vous regardez comment le corps a pied, et si vous avez besoin de réorganiser, vous remettez bien, puis vous remettez. Bájame un poquito este. Durant le processus-là, vous parlez de tout, vous seulement ouvrez cette fenêtre-là pour vous capable de réviser comment le cadavre est en dedans. Une fois que vous sacrez les restos déjà calcinados, y después de esperar que se enfríen, se procede a la trituración. Entra en este vaso que se llama trituradora. Ok, déjame explicar a la gente. Yo fue yo fin retiré res zo ki rete yo, c'est que c'est chabre ou vinye, yo preo yo mete yo nan moule sa. Moule sa son moule électrique, yo plogue li et puis li crase réduit en cendre. Tout réseau qui te retient. Yo quiero saber, más o menos, por ejemplo, cuando se quema un cuerpo, solo los huesos que se quedan, o sea, se convierte como en carbón. En parte, lo que se convierte en carbón son la ropa, sí, a veces, pero de ahí solo queda huesos, solo los huesitos. ¿Los huesos quedan como largo o grande? O trozos, quedan trozos, no quedan enteros. No sale entero, sale por trocitos, pero ya calcinados. Todos okay. Salen hechos pedacitos. Non, mi se explique que le yo fin brûle cadavre, c'est seulement les zo qui rete, un paquet petit bout de morceau zo qui rete. Alors, ou pas carré mettre les familles patients petit bout de morceau zo comme ça, et c'est un bon bout de petit morceau charbon, mais faut ou vini là pour capable nan moulin ça, un moulin qui électrique, pour yo capable en craser tout zo, et puis pour yo remettre li nan une que nous t'a montré nous. Más o menos, ¿cuánto tiempo demora para quemar un cuerpo? El cuerpo demora dependiendo la contextura, dependiendo el peso del cuerpo. Mi señor dice con esa corona común, pero el brûler se depende de textura común. El proceso es, el horno es capacidad para 80 kilogramos. Entonces, si en los 80 kilogramos es la hora y media. Pero una hora pasado, y media. Pasado, no. Pasado el peso normal, que es los 80 kilogramos, ya se demora más tiempo. Donc, mi se fèm konè, dos a tres horas. Fou sa yo genye la, son fou ki desine pou resevoa kadav 80 kilo. Donc, nan inèd tan et demi, yo kapab brûle kompletman yon kadav de 80 kilo. Men si li pèse plis ke 80 kilo, an moun ki ekstremement obèz, la pren environ 2 ou 3 horas. La pren environ 2 à 3 heures de temps pour être capable de fin brûler mon nom. Et dit, tout dépend de. Mes amis, même dans la mort, obésité est un problème. Fais pour mon nom, s'il vous plaît. Le a tocado de quemar algún conocido? Moi, de monsieur, si ça arrive déjà que lui brûle un cadavre de un monde qui lui te reconnaît. Si, si, amigos, conocidos. Y a los niños, que da mucha pena quemarlos, a los bebés, eso es algo que se parte el alma, o sea, por más que ya esté acostumbrado a este trabajo, en sí, el poner un niño dentro de esa máquina es dolorosa para mí, que ni siquiera los conozco, es muy triste. Yo entiendo. Madre mía, si le vive con Willy Core, le reconoce, déjà, le dime con ça, oui, le. Brûler zami, li brûler moun, li reconnaître si moun, et malgré li gen expérience nan ça toujours, à chaque fois que li wè la mette yon ti moun, non fou comme ça, donc ça fait mal, ça fait mal en pile. Et ojalá que nunca se llegue esto en la vida, pero uno nunca sabe la vida. Y de pronto, si le ha tocado de quemar a un familiar, ¿lo harías? Es mi trabajo, tal vez sí. Moi, monsieur, j'espère que ça va jamais arriver, mais dans la vie, tout le monde est capable d'arriver. Et si toutefois, il a gagné pour le brûler quand il y a une famille, est-ce qu'il y a fait? Il dit donc ce travail il fait, ce travail il fait, possiblement il est capable d'arriver à faire ça. Wow. Moi, monsieur, comment la première expérience est pour lui-même? Comment fait sa première expérience? La première expérience, como todo, o sea, con miedo. La primera vez fue miedo. Sí, se tiene un poco de miedo, pues somos seres humanos. Ni si es tipo, sabes, es primero y es primera experiencia, lo que le te queda en pilpe. Y de ahí a después, o sea, ya ver un muerto
día tras día tras día muertos y hacer los procesos, ya uno ya se va olvidando de todo eso y se va adaptando, uno como ya. Ser humano se adapta a lo que sea. Bom, vamos começar, Monsieur Dia. Monsieur Dia, a força que eu afelo avec plusieurs cadavres, et puis finalement, stress a arrivé, disparaître, jusqu'à ce que vous venez bon, là, sans pas gagner stress encore. Vous comprenez ça? Stress, un officio más. Que... Más ou menos, quantos corpos ha quemado? Mande, monsieur, combien, plus ou moins, combien cadavres li brûlé? Quantidades, man. Estamos hablando más de 10. Más. Ah, monsieur, va quand même songer combien cadavres li brûlé, et tellement... Miedo, miedo, la verdad no, el muerto ya está muerto. Miedo se le tiene al vivo, al que está vivo, a ese se le tiene que tener miedo. Me sentí, un lipa es el mundo que vive. Lipa permo va a ser muy de jamu y dejar para acá peloco. Es el mundo que vive el perro. ¿Nunca le ha ocurrido que está quemando un cuerpo, se escucha movimiento? O sea, el muerto quiere levantar. Mande, mi si pa jamu. Mkone nou men nou ta pose l kesyon sa, sa fe mpose l kesyon sa pou nou. Mwen de misye, si sa va konrive kote la brule anko, e pi li tan de mouvman, ke mwen avle leve. En si, non, pero lo que si sucede es que el cuerpo es por la calor, o sea, prácticamente es por la calor, los grados altos de temperatura, porque 800 más 800 son 1600 grados de temperatura que está dentro. Entonces la calor es como tú quemas un alambre o un caucho, se va torciendo, ¿cierto? Okay. Así mismo es el cuerpo se va torciendo, me meto así y a veces ya tengo que estar revisando y está por acá la pierna o estirada por otro lado, o los brazos abiertos o las piernas cruzadas. Y en este caso toca de ponerlo al mismo lugar. Muchas ¿cuándo pasó esto? No, toca, a veces lo que toca tenemos nosotros que irle moviendo para que de lo que está acá, porque él se va quemando y toca empujarle más adentro, más adentro, más adentro para que se vaya quemando igual todo. Okay. Entonces nosotros vamos abriendo la compuerta de acá, la pequeñita que está ahí, uh-huh. Esa la abrimos y con esa vamos empujando o vamos viéndole cómo está el proceso. Si toca virarle, si toca hacerle cualquier cosa, manipulación, lo que sea, lo hacemos de acuerdo a lo que vemos cómo va el proceso adentro, okay. Si necesita ayuda. Famille s'est expliqué, même genre avec n'importe l'autre corps, tant que vous boulez un caoutchouc et soumettez un caoutchouc non fou, on va venir un caoutchouc de temps en temps, la produit. Et c'est même bagaille qui passait avec quoi? On va mettre là-dedans, de temps en temps, la produit. Jusqu'à ce que il y ait des fatos qu'on lit, qu'on checke, et puis j'ai un bras en bas, et puis pied en bas, et puis on pousse pour mettre un côté pour être capable de bouler plus bien. Grain important. Pour les gens qui ont un problème dans le cœur, par exemple, les gens qui souffrent de bradycardie, quand le cœur n'a pas battu, quand il faut aller battre dans une minute, parce que dans une minute, le cœur n'a pas battu environ 60 à 100 fois. Mais les patients sont obligés de mettre ça, les petites batteries en Haïti, les petites batteries pour faire le cœur battre dans la quantité normale qu'il est de battre. Et ça nous est en anglais pacemaker. Et dit, un patient qui a une petite batterie, ou bien qui a un pacemaker, et s'il mourit, il faut aviser. Et opérateur que patient te gagne et puis on fait docteur retirer ou bien faire n'importe l'autre monde retirer pour qui ça parce que si on rentre et pacemaker en dedans fou ça l'a explosé et si toutefois pas gagne un monde là qui ca retirer pacemaker il va obligé mettre cadavre là bouche en bas en façon et pour éviter exposition en fait mais si vous mettez patient en dedans fou avec toute pacemaker l'a explosé fou donc dans cas ça si l'explosé fou on va obligé payer mon yo fou donc et ça c'est une pièce métallique yo utilisé et qui tenait patient et puis on y a là les li fin boule l'autre quoi fin boule puis yo retire. OK, ça n'a regardé dans même là, c'est un boîte une. Gain plusieurs qualités dans yo. Ça c'est un autre qualité. Côté moi là, qu'on y a là, si ou payer pour faire une crémation pour ça tout rentrer dans corps ou payer pour faire crémation. Mais par contre, si vous voulez yon une comme ça et li pap dans même prix avec prix ça. Donc ça son prix ou a besoin de payer à part. Quanto se paga para esto? Extra à parte $150. Donc ou a besoin de payer, on va faire des $150 à part pour capable faire crémation pour pendant ce temps si c'est avec ça ou fait, ou pas besoin de payer l'argent, la tout vini dans package là. Et ça n'a regardé là c'est gaz et pour panneau qui aller dans foin pour capable alimenter foin. Et puis c'est en l'air là, et
vapeur sorti. Gracias por haberme abierto la puerta, porque aquí es súper difícil en Ecuador de que un crematorio le abra las puertas. Muchísimas gracias por haberme hecho este gran favor, ¿sí?